Urgent, 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 Kamat. Tentative de coup d'État au Niger. À l'heure où je vous parle là, tentative de coup d'État. Il y a un coup d'État en téléchargement au Niger, à l'heure où je vous parle, chez Kamara Pays d'Afrique. À l'heure où je vous parle là, frère, ce mercredi 26 juillet 2023, frère, Bazoum est détenu par des membres de la garde républicaine. Je répète, Bazoum est détenu actuellement par des gardes, par des membres de la garde républicaine. Frère, Bazoum à l'air là, il y a une tentative de coup d'État. Et un coup d'État qui est en téléchargement contre Bazoum à l'air là. Un autre pion de la France-Afrique doit tomber. Frère, je vous lis l'article. Je vous lis l'article. C'est non seulement il y a Le Monde qui a publié, Le Monde Afrique a publié, Jeune Afrique aussi a publié. Je vous lis la source, les sources. Je vous lis, chers camarades d'Afrique. Au Niger, tentative de coup d'État contre Mohamed Bazoum. C'est, comment dirais-je, c'est Jeune Afrique qui publie. Tentative de coup d'État contre Bazoum. Ils l'ont publié à 11h43 en France. Ce mercredi 26 juillet 2023, dans la matinée, des militaires ont bloqué les accès à la présidence nigérienne. Des militaires ont bloqué les accès à la présidence nigérienne. Le chef de l'État est actuellement en discussion avec les militaires. Le chef de l'État, Bazoum, est en discussion avec... Prendra. Tôt dans la matinée de ce mercredi 26 juillet, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués. Les abords étaient bloqués par des éléments de la garde présidentielle. Si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler de tentative de coup d'État contre Mohamed Bazoum. Il va demain. On écoute. Selon une source militaire régionale, le chef de l'État nigérien est actuellement retenu par les militaires dans sa résidence. Il est retenu par les militaires dans sa résidence. Si vous l'avez laissé, il va vous... Si vous l'avez laissé, Bazoum, vous attrapé à Niamey. Dans sa résidence à Niamey. Leur nombre demeure inconnu au moment où nous écrivons ces lignes. Une autre source proche de la présidence affirme que Mohamed Bazoum est sain et sauf. Eux en train de négocier avec les militaires impliqués. Aïe, c'est fini pour lui. Ah bah non, Bazoum. La garde présidentielle est dirigée par le général Oumar Tchiani. Donc, ouvrez vos oreilles. Adresse, c'est Oumar Tchiani qui sera le prochain homme fort. Oumar Tchiani. Déjà en place sous le régime de Mamadou Youssoufou et que Mohamed Bazoum a conservé à son poste en arrivant au pouvoir en 2021. Selon de bonnes sources, le chef de l'État envisageait ces derniers jours de le démettre de ses fonctions. Il voulait faire tomber Oumar Tchiani. A mis clair dedans. Pourquoi il voulait faire tomber Oumar Tchiani? Je vous lis d'abord, après on va venir de critiquer. Aux environs de 8h30, heure locale, le calme semblait revenu au bord du palais présidentiel. Selon plusieurs témoins présents sur les lieux, mais la situation reste confuse, indique une source militaire régionale, selon laquelle il n'y aurait pas eu d'échange de tirs. Ce n'est pas la première fois que des militaires menacent le régime nigérien. Le 31 mars 2021, des officiers avaient tenté de renverser Mamadou Youssoufou. À deux jours de l'investiture de Mohamed Bazoum. Contrairement à ses voisins, le Mali et le Burkina, tout ça là, on n'a pas besoin de ça encore. En réalité, Bazoum voulait renverser Oumar Tchiani. Mais pourquoi renverser Oumar Tchiani? Il voulait renverser Oumar Tchiani parce qu'il ne s'entend pas. Il y a une chose. Bazoum, depuis qu'il est venu là, tous les généraux qu'il a trouvé en place après Youssoufou là, Il les a tous renversés les uns après les autres. Et quand il descend comme ça, il est mis en prison.
Quand il est démis de leur fonction, il est mis en prison. Pourquoi il est démis de leur fonction? Parce que eux, ils ne sont pas d'accord avec sa gouvernance. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait. Parce que les militaires, rappelez-vous, il y a un général qui est allé voir Assimi Goïta. Dès qu'il est revenu, il a été remplacé. Il a été remplacé. Et quand il te remplace comme ça, il te dépossède de tout ton pouvoir. Et probablement, il te met en prison. Vous comprenez? Donc, Oumar Tchani voit que ce n'est pas bon. Il voit que ce n'est pas bon. Il voit que si Bazoum le met de côté, mais pourquoi d'ailleurs même Bazoum veut le mettre de côté? Parce que Bazoum, parce qu'il faut dire qu'il y a divergence de vues entre lui et Bazoum sur un point. Et quel point? Probablement le volet sécuritaire, probablement le volet terroriste. Il y a divergence de vues. Mais oui, c'est ça. Parce que si on est d'accord, si c'est un béni, oui, oui, Bazoum va le laisser à sa place. Mais si Bazoum veut le démettre de ses fonctions, c'est parce qu'il y a divergence de vues. Et il a dit à divergence de vues, c'est par rapport à quoi? Je vais vous expliquer un cas. En début 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires nigériens, qui d'ailleurs poussaient Bazoum à chasser Barkhane et à donner sa main au Mali, au Burkina Faso pour combattre le terrorisme ensemble, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse ça. Et, frère, il refuse de travailler avec le Mali et le Burkina Faso. Et il travaille avec la France. Et la situation ne fait que s'empirer. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les militaires nigériens se lèvent. Ça fait tollé. Au Niger, tout le monde en a parlé. Ça fait tollé. Les gens ont pleuré par rapport à ça. Les Nigériens se lèvent au front. Les militaires nigériens, les jeux d'yeux, ils vont au front. Arrivés au front, ils font un corps à corps avec un groupe terroriste. Et ils mettent le groupe terroriste au pas. Et ils arrêtent certains parmi eux. Parmi les personnes les terroristes qu'ils ont arrêtés là, il y avait des blancs. Et ils disent, bon, nous avons un putain de guerre, on va montrer ça au monde entier pour dire que vraiment, les terroristes qui sont là, ce n'est pas que des terroristes. De toute façon, il y a certains gars de l'armée là qui sont dedans. Donc, ils appellent le commandement pour dire, on a pris des gens, voilà, ils donnent leurs coordonnées des gens là, voilà. Donc, dès qu'ils appellent la base à Niamey, la base leur dit, bon, prenez-les, envoyez-nous les vivants, on va montrer ça aux yeux du monde. Donc, les jeunes sont enthousiastes, ils vont rentrer dans l'histoire. Ils seront, on va dire peut-être, ils seront honorés par le chef de l'État. Puisqu'ils ont fait un bon travail, ils ont ramené des gens, ils ont ramené l'autre face du terrorisme. Qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin, les jeunes militaires font face à une autre attaque féroce. Une attaque féroce d'un autre groupe terroriste. Mais cette fois-ci, ce groupe terroriste possède des aéronefs. Donc, ce groupe terroriste qui possédait des aéronefs les a bombardés. Et les a frappés, a tué beaucoup d'entre eux. Ils ont pris certains, ils les ont exécutés. Et ils ont récupéré les blancs qui étaient là. Et puis, ils sont partis avec eux. Les jeunes sont morts. Alors que les jeunes là avaient déjà appelé leurs parents. Ils ont leur téléphone avec eux. Il y a certains qui ont appelé leurs parents pour dire on a pris des blancs, on vient avec eux. Vraiment, on est content. Ils ont fait après une vidéo, tout ça. Donc ça circulait. Ça circulait déjà pour dire que les jeunes arrivent avec des blancs, etc. Donc, ils ont frappé sur eux. Quand ils ont frappé sur les jeunes là, ils les ont tués tous. Ils ont pris certains d'entre eux, ils les ont exécutés. Vous avez vu ces images? Et après ça, eh bien, Bazoum n'a pas parlé. Et donc, ça a commencé à grogner dans les casernes. Mais les gens, Bazoum, il a réussi quand même à calmer. Mais il pensait que il maîtrisait la situation. Donc, je pense que ce gars-là, Oumar Tchani, il a vu que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, il doit faire quelque chose. Donc, nous, on lui souhaite bonne chance. Oumar Tchani, frère! On te regarde, barague, sinon, faut avancer à ça. Faut avancer à ça. Faut pas laisser, hein. Si tu l'as libéré, là, on te tue. Bon, on vous regarde. Donc, frère, voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Je reviendrai pour d'autres informations ultérieurement. On est ensemble.